Il existe de nombreuses et excellentes biographies sur la vie de Ludwig van Beethoven, et je vous en recommande vivement la lecture. Mais ce que j'ai envie de vous raconter ce soir, c'est mon Beethoven. Et mon Beethoven à moi, il commence avec Ludwig. Il a 12 ans. Il est chez lui. Un salon modeste. Au fond, un grand piano. Comme chaque soir, il a l'habitude de s'installer au coin du feu devant son clavier et joue Mozart pour ses parents. Jusque tard, très tard, très 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 tard. Mais continue, imbécile. Tu vois bien que nos amis viennent d'arriver. Et il ne faut pas faire attendre un homme qui a soif. Femme, où est ma femme? Ramène-nous à boire. Fais honneur à tes invités. Quant à toi, peut-être arrivera-t-on enfin à te faire remarquer ce soir. Mozart, à ton âge, avait déjà le monde à ses pieds et ramenait de l'argent pour récompenser le dur labeur de son père. Ah, et si on me pose la question, tu dis bien que tu as 10 ans et pas 12. Sinon, tu retournes à la cave et tu goûteras encore de mes poings et de mes pieds.